Que le soleil se lève demain sur vous. Que vos femmes, vos enfants, vos parents soient bénis. Que vous viviez longtemps, mes frères et mes sœurs. Mais qu'est-ce que votre vie, une fleur qui paraît pour un temps et qui demain sera fanée, foulée par les pieds des hommes. Les contingents du monde se sont réunis il n'y a pas tellement longtemps à Copenhague pour parler de l'atmosphère, pour parler de notre planète, du danger qui menace le monde et qui demain peut nous entraîner dans une catastrophe mondiale. Et puis de cette conférence où les contingents du monde étaient réunis est sortie malheureusement une note négative. Et la conclusion fut la suivante. De toute façon, et je vous dis ce qui a été dit, de toute façon, c'est trop tard. Le peu qu'on peut faire ne suffira pas pour enrayer la catastrophe qui vient. Vous savez, quand il y a un combat de boxe, il y a un gong qui démarre tout. Eh bien, le gong, il a démarré le 15 mai 48 par rapport aux prophéties. Il fallait que le peuple d'Israël soit de nouveau dans son pays pour que les prophéties commencent après à défiler les unes après les autres, parce que Jésus a dit « Quand vous verrez ?» Ce que les prophètes avaient annoncé auparavant, Jérémie 2500 ans auparavant, eh bien, se réaliser. C'est l'heure, mes amis. L'éternel Dieu, les prophéties sont accomplies devant nos yeux. Dans les derniers jours, des temps difficiles, le mal veut tout faire pour arrêter l'évangile. Voici qu'il revient, l'éternel Dieu, ses élus iront le rencontrer dans les cieux. Nul ne sait le jour qui vient comme un voleur, qui surprendra les hommes qui auront dans leur cœur. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, cupidité, de malice, pleine d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, fanfaron, ingénieur au mal et rebelle à leurs parents. Si tu ne donnes pas ton cœur à Jésus-Christ, tu subiras les fléaux de l'Apocalypse. Jamais, depuis que le monde est monde, la détresse sera si grande. Veillez et priez pour ne pas tomber, car celui qui restera va le regretter. Rentrez donc en vous-même. Et examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret ne s'exécute et que ce jour ne passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel
fondre sur la terre et sur vous, avant que le jour de sa colère n'éclate sur les hommes. Cherchez donc l'Éternel, vous tous humbles du pays, pratiquez ses ordonnances, recherchez donc la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour du jugement. Peut-être serez-vous épargnés. De temps, et tout ce que Dieu, le Dieu du ciel, a prédit, tout ce que Jésus-Christ a annoncé, tout ce que les prophètes ont prophétisé, tout ce que les apôtres ont enseigné, eh bien tout ça est sur la voie de la réalisation à travers les événements qui passent.